Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars. Bienvenue les rois et les reines. Aujourd'hui, on va faire un exercice de rythme. Alors les rappeurs, j'espère que vous êtes là avec moi. On va s'amuser tout simplement à trouver une phrase. C'est vous qui la trouvez, moi je dis rien. Je vais dire tic-tac, tic-tic et dig-dam. Des trucs avec des T, c'est tout. Vous êtes supposé dire, écoutez, la phrase que vous allez composer. Tintam, tintagadagadam. Tintam, tintagadagadagadagadam. Tintam, tintagadagadam. Tintam, tintagadagadagadagadam. Tintam, tintagadagadam. Tintam, tintagadagadam. Moi je dis tintam parce que si jamais je dis une phrase, vous allez reprendre la même que moi. L'important c'est que ça ait le bon nombre de syllabes. Je cherche le bon nombre de syllabes. Voilà par exemple. C'est une octosyllabe. Je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous allez essayer d'en rajouter autant que vous pouvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok ? Et vous reprenez. Simplement, la petite difficulté, ça va être de le faire sur une note. Pam, pam, tam, tagadagadam. Je cherche le bon nombre de syllabes. Je cherche le bon nombre de syllabes, voilà. Je cherche le bon nombre de syllabes. Je cherche le bon nombre de syllabes, voilà. Je cherche le bon nombre de syllabes. Je cherche le bon nombre de syllabes, voilà. Donc là, je vous ai juste proposé, je cherche le bon nombre de syllabes. Je cherche le bon nombre de syllabes, voilà. C'est tout. Mais vous pouvez aussi bien dire la phrase que vous voulez, mais l'important, c'est qu'il y ait tac, 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 tac. Et après, tac, 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 tac. Ou bien vous pouvez rajouter tac, 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 tac. Essayez d'en rajouter autant que vous pouvez. Ce qui est très important, c'est de propulser les consonnes. Ce n'est pas la peine de chanter fort si vous voulez avoir un flow qui est percutant. C'est pas important de chanter fort. Ce qui est important, c'est de propulser les consonnes. Vous comprenez ? Ce qui est important, c'est de propulser les consonnes. Si vous voulez qu'on comprenne ce que vous dites, propulsez correctement vos consonnes. Donc, l'exercice, c'est parti. On va le faire une dizaine de fois à des hauteurs différentes. Donc, ce que je vous encourage à faire, si jamais vous êtes fatigué, et ça va être très bien, c'est de faire l'exercice rythmique. Je chante. Et on redescend tranquillement. Donc vous allez trouver votre rap. Votre rap. C'est parti. Thank you.
Voilà. Si vous avez choisi des consonnes percutantes, vous allez sûrement beaucoup progresser. Évidemment, les consonnes les plus difficiles pour composer rapidement et pour faire du rap, c'est les M et les L. Donc évitez les consonnes molles. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Amusez-vous pour l'articulation, pour la propulsion du son, pour le flow, pour le rythme. Cet exercice, il faut le faire vraiment plusieurs fois, régulièrement. Et après, vous allez choisir un autre rythme que celui que je vous ai proposé, un autre flow que ce que je vous ai proposé. À l'intérieur de ce que je vous ai dit là, vous pouvez en rajouter plein. Donc amusez-vous, mais commencez doucement. Amusez-vous bien, laissez-moi un petit pouce j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, transmettez cette vidéo à des chanteurs ou des rappeurs ou des poètes dont vous sentez qu'ils ont besoin de ça. Surtout, amusez-vous et puis demandez-moi si je peux vous coacher. Venez à mes stages d'été ou à mes stages, tout simplement, et abonnez-vous à un de mes programmes, ça me fera très plaisir. Au revoir les rois et les reines. Vocale grave, vocale grave, vocale grave.